les enfants, lâchez vos crayons. C'est terminé, Clarence, il faut rendre ta copie. Je suis en train de... Ah, attendez, juste une dernière chose. Je voulais finir, mais en fait, j'ai pas eu assez de temps. D'accord, Clarence, viens me voir après la classe. Alors, j'ai bien travaillé ou pas? Eh bien non, pas vraiment. Tu as gribouillé partout sur ta copie et sur tes devoirs et tu n'as répondu à aucune question. Cependant, certains de ces dessins sont très créatifs. Ça, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est moi si j'étais un immeuble. Ah, je vois. Eh bien, on pourrait peut-être canaliser toute cette créativité. Est-ce que, par exemple, ça te plairait de faire une BD pour le journal de l'école? Je ne savais pas qu'on avait un journal à l'école. C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de succès. Excusez-moi, ce que vous voulez? Mais il est intéressant, il est drôle. Oui, je suis d'accord. Parfait, je vais donc... Oh, merci, mademoiselle Baker. Je vous promets que je ne vous laisserai pas tomber. Attends, Clarence, il faut d'abord que tu... Je suis prêt pour mon nouveau travail. Bienvenue à bord. Tes puzzles sont complètement débiles. Gilben qui bat des lycéens au bras de fer. Tu parles d'un scoop. Bon sang, réveillez-vous, je veux des nouvelles fraîches. Mademoiselle Baker, elle a dit que je pouvais faire partie de votre équipe. Si elle l'a dit, je te présente les autres. Chelsea tient la rubrique jeux et devinettes. Yo. Emilio, rubrique des potins. Salut. Et Memo, je sais pas ce qu'il fait. Peu importe, qu'est-ce que t'as à me montrer? Allez, vite, 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 j'ai pas que ça à faire. Oh, c'est que j'ai encore rien à montrer. T'as intérêt à mettre le turbo, parce que le journal sort demain avec ou sans BD. À vos ordres, monsieur Capitaine Belson. Non, non, non. Non, trop long. Ah. Ma voiture! Ma belle voiture! Oh, je t'en prie, parle-moi! Qui t'a fait ça? Tu crois qu'ils ont des yeux partout sur les pieds et qu'ils doivent faire super gaffe quand ils marchent? Du coup, ils ne doivent